Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et nous approchons de plus en plus la fin de l'année. Et je vous souhaite déjà les bonnes fêtes de Noël et avant les fêtes de fin d'année. Je vous annonce que nous allons prendre un peu de congé, nous allons fermer aussi, nous allons essayer d'aller nous reposer pendant une dizaine de jours. Donc, à partir du 23, nous serons absents sur vos écrans jusqu'à on revient le 3 janvier 2021. Donc, c'est ça notre programme. Et pendant ce temps-là, nous allons un peu nous reposer et puis être en vacances aussi. Jouir aussi de cette année que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes pratiquement, nous sommes, nous, nous avons été pratiquement toute l'année, mais donc nous avons aussi droit à cette petite semaine de vacances qui s'offre devant nous. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler encore des faits, des faits réels. Ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous parlerons du Parlement et surtout nous allons consacrer beaucoup de temps à parler des solutions que nous pensons qui doivent être appliquées pour que le pays puisse sortir de ce marasme. Donc nous parlerons de cette guerre qui se passe au Parlement, l'Union sacrée, on va donc la politique et puis nous parlerons de ce que nous pensons être la vraie solution pour le pays. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. La milice Codeco URDPC exige la libération de personnes arrêtées à Cotonou. Actualité.cd. Kinshasa, coronavirus, 137 personnes guéries suite sortie de l'hôpital plutôt. Et puis, boxe junior Ilunga Makabu conserve sa ceinture de champion du monde Golden WBC. Congo profond, diplomatie, la RDC ouvre un consulat général à Dakar. Et puis, nous passons sur 7 sur 7. Afrique du Sud, Félix Tshisekedi reçu. Par Cyril Ramaphosa et Nord Kivu, si présumé criminel présenté par la police à Butembo. On termine par Radio Okapi. Cyril Ramaphosa et Félix Tshisekedi échangent sur les questions de développement de la région et de l'UIA. Jean-Pierre Lacroix appelle les autorités d'engager des réformes vues d'une paix durable. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, merci beaucoup encore une fois de plus. Pour l'acheminement de ce que nous allons parler, je crois que parlons un peu de la solution que nous proposons, que nous avons toujours dit ici. Les états généraux de la base, les états généraux des provinces ou bien des territoires. Parce que bandeko, tout bon sanelo comme mon côté, ba tout bon qui koyana ba solution na bino à partir à Kinshasa, toujours répété ka kanenge. Les colonialistes nous faisaient tant ou bien tozaki colonisé. Nous ne faisons que répéter ça. Pourquoi nazalo kolobela likambo oyo? Batu ebele oyo balanda ki ba émission na ngai ya semaine passée oyo. En tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont acclamé. Ils m'ont dit de revenir beaucoup plus ça parce que batu bazo comprendre te. Pourquoi tu vas comprendre? Parce que tozo kanisa tolinga kopé sa babilo konyo so mutu nyo so tu asale la biso. Tolinga ka jamais les Congolais n'aiment pas travailler. Ça c'est dans le fief même du Congolais. Congo musala Congolais linga kaba salele musala yalia mbuma. Bino bolona yalia. Or, lelo oyo, il faut que Congolais a apprendre ça. Ce n'est pas que Congolais n'est pas un travailleur. Le Congolais, nous avons des intellectuels, nous avons... Attendez, Tolobaka, notre pays est parmi le pays le plus alphabétisé, beaucoup... Tozana ba bourik te, tozana ba analphabète te. Notre pays est parmi les gens, est parmi les pays qui est beaucoup plus alphabète, donc Batanga et Belé. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème est réellement où?
Problème ezali ke biso ba Congolais tolingi kosala te. Nous ne voulons pas travailler. Et na ba solution o nga na za koloba, tango na za koloba na lobi, faisons l'état des lieux des provinces ou l'état des lieux des territoires. À ce moment-là, les territoires na base yango wana te, base yango wana ba structure nyonso ezali. Et c'est là où je me dis, nous tapons à côté tout le temps. Ba structure nyonso ezali ke na ba territoire boye, tout est là. Biloko nyonso ezali na ngo wana. Mais nous ne voulons pas le faire. Pourquoi? Parce que toza komona soki to sali wana e koya kopesa biso lususu makasi te e kopesa biso occasion te to sala vengeance te na batu o basala ki biso mabe. Nde eloko wana eza kokanga Congolais pour l'instant. Je parle de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Bandeko, qu'est-ce qui va nous manquer à faire l'état de lieu? Pourquoi? Parce que ba geger o tozo luka, to sto retenir pouvoir, o nga inde na za mokonzi, o nga inde na kosala bo, o nga na... Ça, c'est révolu. Congolais, faut to comprendre que cette histoire-là est révolue. Oh, parce que c'est moi qui ai construit ceci, c'est moi qui ai fait ceci. Non! Nous sommes maintenant à l'étape où c'est l'État. Tozo loba état de droit, état de droit. C'est quel état de droit que nous allons tozo prôner awa? État exact, construisons cet état-là où le droit sera la primaire des choses. Mais le droit, c'est ça, tu ne vas pas dire que tu es un peu plus de temps. S'impose pas ezal eloko moko batu bavandi ba communauté vandi tolobi bon biso ba tribu to vandi awa nde pa na biso toko vivre en paix. Comment est-ce que nous allons vivre en paix? Comment est-ce que nous allons exploiter ce milieu pour que biso nyonso to et profiter na biso nyonso batozo vanda awa? C'est ça que moi je me dis, ba état généraux ya ba territoire est très important. Awa na premier point angwana na zolo ba réorganiser le pays, c'est-à-dire que ba to bazana législature a lelo batika nanu makambo ya koela pouvoir. Préparons un pouvoir ya koloba, comment est-ce que le peuple peut s'approprier de son pouvoir pour que na 2023 tango toko kende na maponami. Ozo comprendre tango toko kende na maponami ba tu ya solo ba ponama ba tu totia de façon que corruption est si là-bas, toi, tu kota na au-delà 2023, tu kota na système ya sika. On ne peut pas déboulonner aujourd'hui le système qui a existé pendant 18 ans. Ça sera perdre le temps. On ne peut pas. Tu ko déboulonner en gonéni. On fera la chasse à l'homme, tu okangabatu. Ça va résoudre quoi? Ça va résoudre quoi? Nous avons le problème d'un système qui ne fonctionne pas. Nous avons besoin de construire un système. Na système wana tokoki ko construire ango à partir à Kinshasa. C'est comme quelqu'un me disait encore, le plan du pays a été préparé à partir de Bruxelles. Les réalités sont autres. Ba réalité à Kasumbalé, c'est ça ba réalité à Benité. Masisi batu, il faut ba vanda na kati ya territoire ya Masisi malobi biso awa eloko nini yango eza mabe awa. Comment est-ce que nous pouvons conduire notre province? Comment est-ce que nous pouvons conduire sécurité na biso awa kozala ndenge? Et puis si le président aujourd'hui Fachi alandi ba biloko na koloba te, pouvoir eza na ngai comme le pouvoir était à Kabila,
Je parle ici de la loi fondamentale. La loi fondamentale, to la mukate, to la muki, to bandit, to bo mangote, ezalaka bongote. Il faut que les gens se prononcent. Moi, je crois que l'impulsion que le Félix devrait faire aujourd'hui, ezako tinda batu, bakende ko réfléchir sur la loi fondamentale. Or, les lois fondamentales doivent se baser sur les réalités sur terrain. Batu oyonde ba vandi, par exemple, Nambandaka 2, kuna ndeba vandi, kuna balobi, awa toza na banzela te. Eloko nina ngoto wiko sala pour que toza la na banzela. Mbongo e utaka na Kinshasa te, la terre doit nous donner à manger et nous donner à ce qu'il faut faire. Batuna place na bango, il faut pas réfléchir. Or, l'homme blanc a fait à ce que les gens ne puissent pas réfléchir. Le système wana il faut tout abolir. C'est ça le système qui existe aujourd'hui. Système wana ya batu oyo, baka ni sakaka keno. Biloko nyonso ko uta Kinshasa, kotonga balabala pa na biso ko uta ka Kinshasa. Moi je prône pour que les résolutions soient locales, batu na kati ya local, batu na place o bazali ba réfléchir ya koloba. Solution po na mboka na biso na ba uele awa ezali boye. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Loi nini ango ko sala pour que batu awa soki obomi mutu bako kanga oubien bako bomayo oubien bako sala boye, que les gens puissent réfléchir dans les états généraux de territoire. Côté kuna pende tokoya ko résoudre ba problème ya ba nationalité, tokoya ko résoudre problème ya ba ya nani ya recensement, tokoya ko résoudre déjà ba biloko wana de façon que tangu toya ko koma na mboka le Congo. Pour nous saurons qui sont sur le Congo et quels sont les problèmes à chaque partie et à la Kandenge nini. Pour maintenant mettre ça en musique, voici ce qui va nous régir tous. Bandeko, tant que le président Zakoloba a walobi, likambo a décentralisation, c'est là où je suis en train d'aller. Il fallait que le président de la République, c'est ça que j'ai intitulé mon émission, président de la République a se concentré beaucoup plus à Koloba. Le pouvoir doit venir du peuple. Batu o bazana magistrature alelo, to utilise bango pour que total à comment est-ce que nous pouvons redonner le pouvoir au peuple. Pas seulement à réfléchir à se positionner. Pourquoi est-ce que nous devons garder le pouvoir jusqu'en 2023? Pourquoi est-ce que nous devons garder le pouvoir en 2023? Quelles sont les chances à ba réforme o toza ko pesa ko tolobi que non? Oh yo to loniango pour que comme ça le peuple a commencé ko sentir ba changement ya na kati ya mboka. Les choses qui sont en train d'être faites, par exemple à Biloko et Union Sacrée, ça impacte moko ko salema na peuple te. Impacte ata moko te ko salema. Pourquoi l'enrobiango? Parce que nous savons, ezaka ba même joueur wana peut-être entraîneur koutouté, ceux qui ont changé kout entraîneur ça va. Mais le même joueur avec le même entraîneur boza comme ça là, toza comme ça. Un poisson ne devient pas un crocodile. Ezala kabongote. Déboulonner ce système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faudrait que le peuple puisse reprendre le pouvoir. Peuple a la na mesure à sanctionner Batoua Kolobi, biso toye biote. Yo parti politique na yo zala kanakati ya loala bate, ainsi tu ne peux pas diriger le Congo. Ba parti politique, si les lois sur nous le... Nous avons toujours su que l'intelligence était et restera plus puissante que ces agitations tribales, régionales, religieuses, politiques et autres banalités de la génération. Malgré ces agitations ignobles, aujourd'hui nos actions démontrent l'intelligence et le succès. Le peuple observe nos actions intelligentes. Nous-mêmes, nous nous réjouissons de ces stratégies intelligentes. L'intelligence est plus utile que les banalités de la génération.